bienvenue dans la quatrième émission de Parole de Biker. On continue dans le domaine du tatouage où on retrouve Moustique qui va nous parler de la convention de tatou à Bordeaux. Tatou Bordeaux, c'est la 17e édition d'une convention internationale, les tatoueurs nationaux et internationaux, qui va se dérouler au Stadium Vélodrome, à Bordeaux-Lac. On a eu plusieurs salles où on a travaillé depuis presque 20 ans. Et là, cette année, on est au Stadium. C'est un lieu complètement atypique et je trouve qu'il se prête très bien au côté old school, en plus de ce qu'on aime faire aussi dans nos événements. Donc, il y aura une centaine de tatoueurs qui sont présents, majorité de Français, mais de toute la France. C'est très bien des Marseillais, il y en a un qui vient de Besançon, des Parisiens, des Nantais, vraiment beaucoup de tatoueurs nationaux. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire un événement où on va pouvoir proposer des animations. Donc, il y aura des cheerleaders cette année, on aura des Tahitiens. En fait, de toucher toutes les cultures qui touchent le tatouage. Et en fait, que ce soit au niveau culture ou mouvement, aujourd'hui, le tatouage, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les skateurs, que ce soit les métalleux, que ce soit les bikers, les sportifs, les rugbyman, on fait beaucoup de Polynésiens. Voilà, tout le monde est touché à un moment donné par le tatouage. Donc l'événement, c'est de montrer plusieurs styles, plusieurs tatoueurs, et puis que les gens puissent voir effectivement tout ça. Il y a plusieurs concours sur le week-end, donc des concours sur les petites pièces, les grandes pièces, l'ornemental. Donc ornemental, ça comprend tout ce qui peut être tatouage polynésien, tribal. Après, il y a aussi des tatouages, des concours de tatouages réalisés sur la convention. Donc le samedi et le best of show qui est celui réalisé sur le week-end. Donc on a déjà eu l'occasion d'avoir des très grosses pièces, des dos complets faits à deux sur un week-end. Donc là, ça va se dérouler sur la journée du samedi et du dimanche. Cheerleaders qui vont venir, c'est très acrobatique. On a les Tahitiens qui font une démonstration de danse et qui vont évoluer aussi. On a deux filles de Bordeaux qui font une du pole dance et l'autre du burlesque. Et c'est un show en duo assez sympathique. Alors elles s'appellent Rosa et Opium. On va aussi avoir une démonstration de breakdance. On a commencé avec eux il y a quelques années. La première fois qu'ils sont venus, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Parce qu'avec des bikers, et enfin, continuons, parce que, comme je disais, le tatouage, ça touche tout le monde. Donc eux aussi, ils ont aussi leur tatou. Voilà, on a plein de choses très diverses et variées. À l'extérieur, cette année, parce qu'on va pouvoir bénéficier à l'extérieur, on va faire une expo de voiture, une bécane. Alors, elle sera sur de l'américaine aussi, mais oui, après, le dimanche, normalement, de la voiture française aussi. En France, on a plein de très jolies voitures. Il y aura normalement un gars en trial qui fera aussi une démonstration. Il y a un concert, bien sûr, j'ai oublié. J'ai Rockabilly, des mecs de Tarbes qui s'appelle The Stamp. Ils sont très péchus, c'est un peu néo-rockable, quoi. Ce sera le samedi soir, comme on ferme à 22h, en gros vers 20h. La convention de Bordeaux, elle existait déjà à l'époque. Après, la personne s'en occupait a arrêté. On a repris le flambeau parce que il fallait que ça reste en Gironde et puis que ce soit quelqu'un de Gironde qui l'organise. Après, elle a évolué petit à petit, mais il y a eu un gros engouement dans les années 2000 de toutes les conventions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conventions en France, beaucoup. Donc c'est vrai que les années Covid ont été un peu négatives, on va dire, puisque même à la reprise, c'est vrai que les gens avaient osé peu sortir dans des événements enfermés. Autant à l'extérieur, on n'a pas vu la différence sur les événements qu'on peut faire, mais sur les événements en intérieur, les gens ont quand même un peu de réticence de se retrouver dans un espace plus grand. Avant, on était sur un moyen de 5-6 000 entrées week-end. Quoi. C'est bien qu'on ait une convention à Bordeaux. Après, c'est une des plus anciennes aussi. Il y en a d'autres en France qui sont là depuis très longtemps. L'avantage, c'est qu'on draine quand même... Alors, avant qu'il y ait toute cette démocratisation, qu'il y ait beaucoup de conventions ailleurs,
C'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de gens aussi des départements limitrophes, comme la Charente, la Dordogne, qui venaient sur la convention. Mais c'est vrai que rien que sur l'agglomération bordelaise, la Gironde en général, on peut proposer un événement à la hauteur du nombre de personnes qui sont chez nous. On a quand même un gros département, il y a quand même beaucoup de gens en Gironde. Donc pouvoir proposer un événement comme ça, avec aussi des gens qui viennent d'ailleurs et pouvoir montrer des styles différents, proposer vraiment du tatouage, du joli tatouage, et de montrer aux gens ce que c'est que le tatouage. Donc je pense qu'un événement d'ampleur comme ça, une centaine de tatoueurs, c'est comment ça se grosse convention. J'ai fait une école d'art et puis en même temps, la fin de l'adolescence quoi. Et c'est au même moment où moi j'ai commencé à m'intéresser aussi au milieu biker, me retrouver là-dedans. Et c'est à peu près en même temps que j'ai commencé à me faire tatouer, donc jeune, j'ai commencé à 18 ans. Et de fil en aiguille, j'ai continué à faire du dessin, après j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, j'ai bossé dans le transport, j'ai fait plein de trucs. À chaque fois par contre, quand j'ai évolué dans un milieu professionnel, j'ai toujours essayé de chercher un but et de m'éclater quoi. Donc je suis un peu jusqu'au boutiste là-dessus. Et puis c'est revenu, et puis le fait de me faire continuer à me faire tatouer, les tatoueurs sont devenus des amis, voire des très très bons amis. Et jusqu'au jour où on m'a dit, mais pourquoi tu passes pas le cap quoi? Parce que moi je fais du pinstriping, je fais de la peinture. J'ai commencé à tatouer comme ça, pour voir, et ça a été une vraie révélation quoi. Donc, ouais, mon premier tatouage, malheureusement, c'est parce qu'on a perdu un de nos frères et que du coup, on s'était fait un tatouage en commun. Et à l'époque, le tatoueur qui nous l'avait fait m'avait dit, le mien, c'est toi qui le feras. De fil en aiguille, j'ai fait d'autres tatouages. Après, j'ai ma femme qui est plutôt ouverte là-dessus, donc qui m'a servi un peu de cobaye. Après, l'avantage de savoir dessiner, c'est quand même que c'était pas trop mauvais dès le départ. Et puis ouais, c'était une vraie révélation. Et puis c'était la boucle, c'était bouclée. Temps de passer le cap et de me lancer. Ça y est, je vais au moins vivre de mon dessin, vivre de mon passé, de ma passion. Donc j'ai tenté le break. À 45 ans, j'ai tenté le break. J'ai dit, bon, allez, je plaque le boulot et je m'installe. Je vais à mon salon, à Mako, dans le Médoc. Et ça va faire 7 ans maintenant. Tous ces milieux aujourd'hui sont plus ouverts qu'ils l'ont été. Moi je me rappelle que les car clubs et tout, c'était quand même des milieux conventionnels. Les mecs ils se retrouvaient pour faire des balades en bagnole, faire de la mécanique, comme les motards pareil. Alors est-ce que ça doit s'ouvrir plus ou pas? Est-ce que si ça s'ouvre plus, est-ce qu'on perd pas l'âme? Après ouais, moi j'ai toujours été un fan adricain, j'en ai eu quelques-unes. À 25 ans j'avais une Monte Carlo, un coupé. Bon, ça me coûtait la moitié de ma paie quand j'avais bossé en essence, mais toujours été dans ce que j'aime. C'est bien vague et bien en même temps. Parce que tu peux très bien être dans la custom culture tout seul dans ton garage à faire ta bécane. Ou... Moi j'en connais des mecs qui font leur machine tout seul dans leur garage, qui voient pas forcément des gens, qui vont pas forcément rouler avec du monde, qui n'ont pas envie de rentrer dans un milieu, mais qui vivent par contre à fond le truc. Ah, pour moi, un biker, c'est un terme générique. C'est-à-dire qu'un biker, littéralement, ça veut dire un motard. Ouais. Donc, le fait de kiffer la Harley Davidson, moi, c'est depuis gamin. Le look, je trouvais qu'il me correspondait bien à l'époque où j'étais ado. Et après, en creusant plus, moi, aujourd'hui, ma vie de biker, c'est pas. Biker, c'est. Pour moi, c'est pas ça. Ma vie à moi, c'est une vie fraternelle. Donc, pour ça que je suis membre d'un club et que je vis dans ma famille. Et qu'on se réalise ensemble, à travers nos événements et la passion commune de la bécane. Bon, en fait, on organise 5 événements par an. On fait donc la convention de tatou, le showbike à Montalivet. Et on fait 3 soirées par an, 3 portes ouvertes. C'est-à-dire, il y a une support, un poker run où on fait un run. Et une Toys Party où là on récolte des jouets pour une association qui s'occupe d'enfants à Pellegrin. Donc on l'a fait longtemps pour les Restos du Cœur. Depuis maintenant on a changé, on travaille parce que beaucoup le font pour les Restos du Cœur. Mais ouais. C'est vrai que cette association, là c'est des enfants qui sont hospitalisés toute l'année. Donc et c'est des motards, les deux médecins et les infirmières qui s'occupent. C'est des enfants qui sont hospitalisés toute l'année. Et donc il y a un soutien alors par des jouets, par des présences. Et donc, on a voulu faire ça depuis quelques années avec eux. Et après, oui, le showbag. Le showbag, c'est un gros événement. Ça fera la 27e année, c'est de faire la 29e. Bon, pareil, hein, Covid oblige. Donc, maintenant, c'est une très, très grosse manifestation. Hein, mais parce qu'elle est reconnue un peu partout en Europe. Tous les ans, on a des gens qui viennent de plus en plus loin, quoi. Les Irlandais, Anglais, Allemands, enfin, Portugais. À travers de ça, nous, ce qu'on vit, tout ce qu'on fait ensemble, ce qu'on s'investit personnellement, parce qu'on reste
une association à la base. Mmh. On est tous, on travaille tous, c'est des bénévolats, mais on vit pour notre club, quoi. Donc organiser des événements et ce côté fraternel de s'investir tous ensemble, ça pour moi, ça fait partie de ma vie de biker aujourd'hui, on va dire. Après, on est tous passionnés de bike. Hein. Moi, j'ai des frères, ils ont des, ils peuvent avoir des Harley, mais ils ont aussi des Honda, des 1000 CBX. J'ai un frère, il roulait en Gex. On est tous des, on fait du drag. Ouais, c'est quand même, on a des frères qui courent en dragster, qu'on a fait la coupe, le championnat de France plusieurs années de suite. On a un destroyer et un Bule monté pour faire du drag. Donc on a la chance en plus à Bordeaux d'avoir la piste. Donc voilà, ça pour moi, ça c'est la vie de biker. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse échanger avec plein de mecs qui roulent en bécane. Ce qui est important, c'est pas là, sur quoi tu roules, c'est avec qui tu vas échanger. Maintenant, c'est vrai que moi, dans ma culture perso, ce que j'aime, c'est des chops, c'est des vieilles machines. Et puis tracer la route, quoi. Moi, j'ai découvert la France sur ma moto depuis que je suis jeune, et puis c'est ce que j'aime, quoi. Je crois que de plus en plus, ce que j'aime, c'est prendre ma moto et rouler, quoi. Voilà, l'émission se termine. Un grand merci à Moustique pour sa présence. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Soyez prudents. Ciao.